Bonsoir à tous. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Bon après-midi et pour certains qui sont à Dakar et bonsoir pour ceux qui sont à Cape Town. Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur et le grand plaisir de recevoir dans le cadre des séminaires sur l'édition scientifique en Afrique, Mamadou Dramé, qui est professeur assimilé à l'université Cheikh Diop de Dakar. Donc, je rappelle que ces séminaires sont organisés par l'Institut des Humanités, qui est basé à l'Université de Cape Town, le Laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs diaspora, qui est basé à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Donc, c'est un programme qui est financé par Open Society Foundation. Et je partage l'animation de ces séminaires avec ma collègue Itaï Makone. Donc, sans plus tarder, nous allons très rapidement vous faire la présentation de notre invité d'aujourd'hui, qui est Mamadou Dramé. Mamadou Dramé est professeur assimilé à l'université Cheikh Diop de Dakar. Il est titulaire d'un doctorat de troisième cycle et d'un doctorat d'état de lettres. Il est enseignant-chercheur d'e-langage, des sciences d'e-langage à l'université. Il a été managing éditeur pendant 6 ans au niveau du Conseil pour le développement de la recherche et sciences sociales en Afrique, qui est le CODESPIA. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles nous l'avions convié un peu pour nous parler des métiers de l'édition, parce que depuis que nous avons lancé cette recherche, nous avons fait un certain nombre d'interviews avec des éditeurs. Il y a lieu dans le cadre d'une démarche itérative d'interroger aussi les spécialistes de la question pour revenir un peu renforcer un peu cette recherche-là en parlant des métiers de l'édition et surtout de la problématique de la formation, parce qu'assez souvent, ils sont nombreux à être des éditeurs sans avoir été formés dans les métiers de l'édition. Donc, pour cela, Mamadou va nous faire un peu l'état de l'édition scientifique par un audit un peu de la profession d'éditeur et en faisant surtout un inventaire des différents métiers qui existent. Mais aussi, Mamadou développera aussi une question qui, pour nous, est importante, parce que ce programme est à la fois un programme qui est piloté par des anglophones et des francophones. Et assez souvent, la question de la barrière linguistique pose un grand débat sur le continent africain. C'est un débat qui a traversé le CODESPIA. Et jusqu'à présent, le CODESPIA structure panafricaine aussi fait face à ces difficultés-là. Donc, je pense que Mamadou en parlera, parce que ça aussi traduit un peu cette asymétrie entre les publications faites par des francophones et des anglophones. Donc, toutes ces questions, Mamadou reviendra sur ces questions-là, mais aussi sur le marché du livre, sur le marketing du livre, et sans oublier aussi certaines questions que les collègues ne manqueront pas de soulever durant cette présentation. Donc, sans plus tarder, Mamadou, vous pouvez y aller. Voilà. Merci beaucoup, Ibrahim. Merci de m'avoir invité. Merci également à mon patron Divine Fou, donc, qui a été pendant quelques années mon patron au CODESPIA. Et vous comprenez comment c'est difficile de parler devant lui qui en sait plus que moi, peut-être même. Et sinon, j'en suis sûr, plus que moi. Mais c'est vraiment un plaisir d'être là, de discuter avec vous. Et je salue cette initiative parce que très souvent, on parle beaucoup des livres, mais on ne parle pas du livre. Parce que le livre, c'est aussi tout un parcours, c'est tout un processus. C'est également un certain nombre de métiers qu'il faut avoir, qu'il faut dompter. Et surtout, je crois qu'une des choses importantes vers laquelle nous devons nous acheminer, c'est vraiment la professionnalisation du secteur. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éditeurs, mais il y a très peu d'éditeurs qui ont été formés, très peu d'éditeurs qui ont eu le bagage qu'il faut, le background qu'il faut. Et je pense que ce débat-là est très important et j'espère que je vais en sortir un peu plus riche que je l'étais en entrant. Voilà, merci beaucoup, Ibrahim. Voilà, donc vous pouvez y aller, vous nous faites votre présentation. Voilà, je m'appelle Mamadou Dramé, je suis professeur assimilé, donc maître de conférence CAMES, donc à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, et j'ai eu la chance et l'honneur
d'avoir été au Code Asfria pendant 6 ans, où j'étais managing editor en charge de quelques revues, mais surtout des publications en français. Donc, je m'occupais de tout ce qui est, concerne la chaîne de publication, de la soumission d'un article à sa publication. Donc, c'est toute une chaîne avec un certain nombre de collaborateurs identifiés avec des métiers différents et quelquefois même du marketing également qui va au-delà de la vente. Donc, et je suis sociolinguiste à la base. Donc, professeur de français également. J'enseigne la grammaire française, la didactique de la grammaire à la FASTEF. La FASTEF, c'est la faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation, donc, qui était auparavant l'école normale supérieure. Actuellement, je suis l'assesseur de la faculté, l'assesseur dans le monde francophone. C'est le vice-doyen ou le directeur des études donc, de la faculté. Et voilà, mes recherches ont porté particulièrement sur les mouvements de jeunes, sur les langages des jeunes, et sur le mouvement hip-hop de façon globale. Donc voilà en résumé donc, une partie de mon parcours. Voilà, donc Mamoudou, nous vous laissons le soin de dérouler la présentation sur les métiers de l'édition, sur la problématique de la formation. OK. En fait, je m'attendais plus à des questions. Je pensais que vous alliez me poser des questions par rapport à cela. Et je pense que ça va être un peu plus interactif de poser des questions et de répondre plutôt que de faire une présentation. Mais tout ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a tout un problème lié à la publication, surtout dans le monde francophone. Parce que le monde francophone, quand même, est un monde qui est un peu différent du monde anglophone. Et on a constaté que la publication dans le monde francophone était à la limite mineure par rapport à la publication dans le monde anglophone. En tout cas, je parle de l'Afrique de façon globale. Et je crois que ça se ressent également lorsque l'on voit, les rankings des universités, on voit que les universités anglophones d'Afrique sont devant, très loin devant, les universités francophones. Donc, il y a deux mots principaux qu'on peut identifier. D'une part, il y a la faiblesse de la production dans le monde francophone de façon générale et également l'inégale répartition des possibilités. Donc, il y a une étude qui a été menée il y a quelques années par Jacques Gaillard et Roland Wast, donc qui montrait qu'au moment des indépendances, l'Afrique avait connu une évolution au niveau de la publication en 3 phases. Il disait qu'il y avait une explosion universitaire d'abord, ensuite la croissance du nombre de chercheurs, mais enfin il y a eu malheureusement un ralentissement. Donc quand on resitue cela dans leur contexte, donc, on peut dire que les ressources produites par les Africains sont disponibles, mais elles restent encore modestes. D'ailleurs, en 1991, et je pense que le ratio n'a pas trop changé, on disait que l'Afrique disposait de 0,4% du potentiel mondial. Donc, c'est environ 20 000 chercheurs en 1991. Et je pense que 40 ans après ou 30 ans après, le ratio ne doit pas avoir changé très radicalement. Donc, ça allait être estimé environ à 1/8 de la production française, mais également à moins d'un 1/5 de la production de l'Inde, un seul pays. Donc, les francophones donc, étaient ceux qui publiaient environ, qui produisaient environ 1 sur 6, 1/6 ou 1/4 la totalité de la production. Donc, les pays francophones, leur production donc, était là, à ce niveau-là, 1/6 ou 1/4 de la population de la production africaine. Donc, il y a un autre problème, on l'avait dit, c'était les publications scientifiques qui étaient également inégalement réparties. Notamment, il y a certaines parties du continent, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui étaient plus loties que d'autres. Le monde anglophone était plus loti que le monde francophone. Et d'après une étude, on disait qu'entre 2000 et 2010, il y a des pays qui étaient en évolution, notamment l'Afrique du Sud, qui occupe la première place avec une production à l'époque de près de 11 200 productions. Ensuite, l'Égypte, donc avec une croissance que l'on notait au niveau des publications. Donc. Et enfin, dans une moindre mesure, on avait la Tunisie et le Nigeria qui présentaient tous les deux la même tendance avec respectivement 4547 et 5205 publications. Et c'est vrai qu'il y a la production en Afrique francophone, mais quand même, elle était encore modeste. Et ça, je crois que c'est quelque chose sur lequel il faut insister. Et maintenant, si on vient à la formation, moi, je pense que le problème fondamental, c'est vrai qu'il y a la question de la valorisation des résultats de la recherche. Entre autres, il y a aussi le fait qu'il y ait une politique nationale. Et ça, c'est une chose qui n'existe pas dans nos pays. Très peu de pays ont des politiques de l'édition et de la publication. La plupart des pays
ont des fonds destinés, comme le Sénégal, qui a un fonds compris entre 600 millions et 1 milliard de francs CFA pour l'aide à l'édition, mais il n'y a pas de politique réelle qui sous-tend cela. Et dans cette politique-là, une chose aurait été très importante, c'est surtout la surveillance du processus de publication, parce que c'est tout un ensemble de métiers, c'est de la valeur ajoutée, c'est également des emplois qui peuvent se créer en partant de la révision des articles jusqu'à le copy editing, la relecture, parce que ça aussi sont des choses qui s'apprennent. Il ne s'agit pas simplement de connaître une langue, de maîtriser une langue pour être un bon éditeur. Il faut comprendre la langue, il faut la saisir, mais également il faut être capable d'avoir d'autres aptitudes de reformulation pour aller à la limite dans la tête de l'auteur pour pouvoir réécrire son texte et le rendre un peu plus digeste. Il y a d'autres métiers, le typesetting, c'est un métier qui est l'infographie, parce que tous les infographistes ne sont pas forcément des infographistes qui ont des capacités pour faire du texte. Et ça aussi, c'est des métiers qu'il faut valoriser avec des formations et le contrôle, la couverture, donc le cover design, la diffusion également. C'est un certain nombre de métiers sur lesquels on doit former les gens qui ne se font pas, malheureusement, dans le contexte dans lequel nous sommes. Donc, c'est pourquoi je dis que la formation reste quelque chose d'extrêmement important, mais malheureusement, qui n'est pas prise en compte. Si on regarde en Afrique francophone, il y a deux à Yaoundé et à Tunis qu'il y a une capacité pour les gens de pouvoir faire la formation. La plupart du temps, pour faire une formation dans les métiers du livre, c'est extrêmement difficile de trouver une école qui peut accueillir et qui peut former des jeunes, donc à ce niveau-là. En plus, lorsqu'on arrive à la valorisation, parce que le marketing du livre également, ça s'apprend. Donc, il y a énormément de choses qui peuvent s'apprendre et qui font que si on ne travaille pas sur la formation, si on ne travaille pas sur l'anticipation, si les États ne mettent pas les sous qu'il faut, ne mettent pas les moyens qu'il faut pour que les jeunes soient formés, et que même les éditeurs qui sont actuellement en train de travailler, auxquels on ne peut pas refuser le rôle d'être éditeur, qu'ils se fassent reformer également, je pense que ça peut être extrêmement important, en plus des ouvertures que l'on a, entre autres avec le numérique, avec l'édition numérique qui de plus en plus prend de l'ampleur et prend de l'espace. Donc, il y a tout cela qui fait que si on travaille sur la formation, ça peut beaucoup aider. Donc, c'est pourquoi je pose cette question-là en me disant que peut-être que c'est sur ça que les gens devraient, les États devraient jouer encore pour pouvoir faire en sorte qu'on ait une masse critique d'individus, de jeunes, de moins jeunes qui sont quand même en mesure de pouvoir porter ce combat-là et peut-être d'arriver à avoir des maisons d'édition. Parce que c'est très important et je crois que le projet Huma le montre très bien. Le livre, c'est d'abord un business. Le livre, c'est d'abord, c'est vrai que les gens écrivent par passion, mais les éditeurs sont d'abord des gens qui font du business. Et ce business a besoin d'être rentable, il a besoin d'avoir, donc de générer des ressources pour permettre, n'est-ce pas, à l'édition de pouvoir vivre. Donc voilà ce que je voulais dire en guise d'introduction à mon propos, en vous remerciant une fois de plus de m'avoir accordé cette parole. Voilà, donc Mamadou, nous allons échanger avec vous aussi sur votre parcours au niveau du Codestria. Nous voudrions bien en fait que vous nous parliez un peu de votre passage au Codestria parce que vous êtes resté là-bas pendant 6 bonnes années et nous partager avec nous surtout en fait l'épineuse question des manuscrits parce que beaucoup d'auteurs se sont plaints des retards de publication au niveau du Codestria. Qu'est-ce qu'il explique, par exemple, pour un institut aussi important sur le continent? Est-ce que vous pouvez admettre? Mamadou, pouvez-vous admettre? Désolé, voilà. Merci. Donc, je disais que c'est extrêmement difficile pour moi de parler du Codestria, d'autant plus que je ne suis plus au Codestria, et c'est très difficile également de parler de choses qui pourraient être comprises comme étant des critiques ou autres. Mais je veux parler de façon globale. De façon globale, dans des structures comme le Codestria, il y a une lourdeur, et les types de manuscrits qui arrivent ne sont pas les mêmes. Il y a des manuscrits qui arrivent d'autres programmes, donc le programme qui s'occupe de recherche ou de bourses et subventions. Ce sont des programmes qui ont leurs manuscrits qui arrivent. Et lorsque ces manuscrits arrivent là, ça peut mettre du temps avant d'arriver à la publication. Parce que la publication, c'est le dernier maillon de la chaîne. Et la publication, c'est vrai que c'est la vitrine, mais c'est le dernier maillon de la chaîne. Ce qui fait que
un ouvrage ou bien un article ou, qui arrive dans un programme et qui reste là-bas pendant un certain nombre de temps va arriver nécessairement en retard à la publication. Et lorsque ça arrive à la publication, le processus est aussi respecté. C'est-à-dire que le processus, que ce soit l'évaluation et autres, peut aussi être respecté. Et ça peut générer des retards donc, dans la publication. Et parfois, les chercheurs ne comprennent pas cela et croient que c'est la publication qui est toujours en retard. Ça peut être une possibilité. Je donne juste des hypothèses. Hein. Je ne dis pas que c'est exactement comme ça que ça se déroule. Mais en général, ça peut se dérouler de cette façon-là. Ensuite, pour faire un bon ouvrage, pour faire vraiment un bon ouvrage, il y a tout un temps qu'il faut respecter. Parce que après la réception de l'article, donc souvent, je vous donne le processus hein, par l'assistante éditoriale, donc l'ouvrage est envoyé en évaluation. Et quand ça va en évaluation, en fonction de la taille de l'ouvrage ou de la taille des articles, ça prend jusqu'à 2 mois. Et lorsque cela revient donc, au niveau de l'éditeur, l'éditeur doit envoyer à l'auteur qui doit mettre des révisions. Et ces révisions-là, théoriquement, doivent tourner autour de peut-être 7, 8, 10 jours. Et sur la base de l'évaluation, le manuscrit peut être rejeté ou il peut être considéré comme publiable. Mais quand il n'est pas publiable en l'état, il est nécessaire qu'on mette des corrections et que ces corrections-là soient intégrées. Et que lorsqu'on finit de faire l'intégration de ces corrections, il faut que l'évaluateur confirme qu'effectivement ce qui était attendu de son évaluation a été pris en compte. Donc, ce qui veut dire que lorsque vous envoyez un manuscrit, pour qu'on arrive à ce niveau-là, il peut se dérouler 2-3 mois avant que ça arrive. Ensuite, lorsque ça finit, il faut l'envoyer au relecteur. Donc, celui-là va regarder, mettre en page le texte, d'une part, mais d'autre part, il va lire le texte, essayer d'enlever les coquilles, d'enlever les fautes. Et ça demande du temps. Des fois, on a besoin de faire la traduction avant que cela arrive chez le compositeur, donc le typesetter dont je parlais tout à l'heure, qui aussi joue un rôle très important et qui, lui, va mettre en page. Mais la mise en page ne suffit pas. Il faut que l'éditeur fasse ce qu'on appelle le proofreading, c'est-à-dire qu'il essaie de voir si, effectivement, les règles, les normes ont été respectées. Il doit vérifier qu'il n'y a pas d'omission, il doit vérifier que les pages s'enchaînent correctement, que les images apparaissent correctement, que les mots ne sont pas coupés. Et ça demande du travail, ça demande également du temps. Et en ce moment-là aussi, on peut demander à un artiste de faire la couverture. Donc, c'est celui que j'appelle le cover designer qui fait la couverture. Bon, s'il faut faire l'index, on peut faire l'index en même temps. Mais il faut que cela revienne encore chez le compositeur. Lorsque l'éditeur fera ses remarques, ça revient chez le compositeur qui insère ses remarques avant que les remarques soient admises et après on passe au contrôle de qualité. Donc il y a tout ce processus-là qu'il faut passer et le chef de publication, donc Divine en l'occurrence quand j'étais au Colossia, il vérifiait que tout est correct parce qu'il ne pas laisser passer les publications de cette façon-là, il vérifiait d'abord avant que ça passe. Donc pour vous dire qu'il y a tout un processus par lequel la publication d'un ouvrage passe qui fait qu'on ne peut pas déposer un manuscrit aujourd'hui et demander à être publié demain. Ce n'est pas possible si on veut faire un livre sérieux. Et parfois, ça peut être une des causes pour lesquelles le livre prend du retard. C'est vrai qu'il peut y avoir d'autres contingences, il peut y avoir d'autres facteurs externes, mais de façon objective, ce sont ces facteurs-là qui peuvent faire que l'ouvrage que l'on a peut rester 1 an, 2 ans sans être publié, sans que l'autre ne comprenne. Et très souvent, bon, la publication est toujours pointée du doigt parce que c'est la publication qui s'occupe de cette chaîne-là. On dit que la publication ne fait pas son travail, mais dans la réalité, la publication fait bien son travail. Et son travail, c'est de respecter les différentes étapes et de ne sauter aucune de ces étapes-là. Et maintenant, quand ça arrive, il faut aller vers le marketing. Parce que faire un livre, ce n'est pas seulement faire un livre pour le sortir parce que c'est joli. Il faut le vendre. Il faut le diffuser. Il faut que les résultats soient partagés avec la communauté. Donc, tout cela aussi rentre en jeu. Et c'est ce qui fait que parfois, ces retards-là arrivent. Et quand ça arrive, malheureusement, le bouc émissaire, c'est toujours la publication. Mamadou, nous allons pas lâcher cette question concernant le retard des manuscrits, parce que notre génération, quand on a été lauréat de l'Institut sur l'enfance et la jeunesse, nous sommes restés 7 ou 8 ans avant d'avoir une réponse concernant nos manuscrits. Je pense qu'il a fallu l'arrivée de Divine pour que nous puissions savoir en fait où se situait l'état de ces manuscrits-là. Donc, c'est une question, parce que aussi, cette étude, c'est pour avancer. On veut avancer véritablement. On ne voudrait pas revenir en arrière. Parce que les problèmes
qui ont été soulevés il y a quelques années, ces problèmes continuent encore d'exister. On ne peut pas continuer à dire que c'est le département de la publication. Mais il y a une chaîne aussi. Et dans cette chaîne, il y a des dysfonctionnements. Moi, je pense qu'il faudrait aussi que nous puissions dire, en fait, où réellement se situent ces dysfonctionnements, parce que ça participe un peu à retarder les chercheurs africains. Ça participe un peu aussi à retarder cette production dont pourraient bénéficier les populations. Comment... Quelle solution, en fait, vous préconisez pour qu'on en finisse un peu avec cette épineuse question des manuscrits? Non, je comprends votre inquiétude. Moi-même, je suis chercheur et je suis parfois confronté à ces difficultés-là. Mais puisque Divine a dit que c'est attaché, j'espère que, bon, moi, vous prenez le attaché virtuel, moi, je prends le vrai, quoi. Voilà. Mais c'est que je ne peux pas être là à faire le procès d'un département, à faire le procès d'une institution. Mais ce que je peux dire, c'est que, voilà, quand ça arrive aux publications, ce que j'ai expliqué, c'est lorsque ça arrive aux publications, au département publication. Parce que tant que ça n'arrive pas là-bas, nous, on n'est pas... Les gens de la publication ne sont pas forcément bien impliqués dans la chose. Donc, s'il y a des retards, ce sont des choses sur lesquelles je préfère vraiment ne pas trop m'apesantir, parce que ça ressemblerait à un procès contre certaines personnes et ou contre une institution. Mais c'est vrai que ce n'est pas seulement au CODESFI, il y a dans d'autres organisations également. Moi, j'ai déposé des articles ailleurs et on a eu la même durée, on a eu les mêmes difficultés. Et une chose importante aussi, lorsqu'on travaille en groupe, lorsqu'on est en groupe, tout le monde ne travaille pas à la même vitesse. Il y en a qui déposent aujourd'hui, il y en a qui vont déposer dans 3 semaines. Il y a d'autres pour lesquels, dans 1 an, ils n'auront pas fini de déposer. Et ça aussi, ça a un coût. C'est vrai que c'est pas difficile de dire que l'éditeur est le responsable, mais quand on est dans un ouvrage collectif, parfois aussi les chercheurs ne jouent pas leur jeu. Et quand ils ne jouent pas leur jeu, ça se dépend sur la qualité et ça se dépend également sur l'ensemble du processus. Et ça, je pense que c'est important. Je crois que Divine voulait ajouter quelque chose par rapport à ce que j'ai dit. Oui, très bien. On va laisser le soin à Divine de... Comme on est dans une démarche d'interaction, donc lui laisser le soin d'apporter son bien plus. Oui, Ibrahima, là, tu es en train de poser des questions très compliquées, aussi difficiles. Je vais essayer d'ajouter, mais je vais parler en anglais. Je pense que mon ami Mamadou, lui aussi, on a travaillé ensemble. On a eu un partenariat très... On a accompli beaucoup de projets ensemble. Et je pense que c'est un vrai ami, c'est un frère. On a, you know, we did lots of things together with Mamadou at a very difficult time. And I think that Ibrahima is asking very difficult questions, and we understand Ibrahima's concerns. And like Mamadou has indicated, I think that it is not our place to comment on an institution and how the institution works and functions. We think that CODESFIA does a really important work for the continent, and CODESFIA has done over the years a really amazing work. I think we are all here because of CODESFIA. Mamadou, Ibrahima, many of the people in the room. And in spite of what everybody says, you know, we often seem to focus so much on the problems of an institution or the challenges that we have of an institution that we forget how much the challenge of that institution is. And if we look at the continent now, CODESFIA is occupying place that so many institutions are not doing. Without CODESFIA, I think that the knowledge production institution, especially the social sciences on the continent, would be almost inexistent. So it's got challenges, but also you have to see how much work. The entire continent depends on one organization.
tout le monde, tout le sept continents dépend, tout le monde dépend de Codesia. Et c'est toujours quand il y a le CAMES que les gens commencent à poser des questions. Quand on commence à organiser, à accomplir des dossiers pour le CAMES, il y a toutes sortes de questions que les gens posent. And for many people, it seems like Codesia becomes relevant when there is CAMES, you know? At least from my experience, that you get like hundreds of people asking questions. And it's also because people don't understand the how the publishing process work and also how the knowledge production process work. At least from my experience, there were researchers who thought that publishing was printing. So that the institution was like an imprimerie. So there's those group of people. But there are also groups of people who really invest a lot of work. But it's important to understand that there are challenges which mainly depend on one or two, several people, but that these people in this space really put in a lot of energy that is not recognized and accomplished. Sometimes the organization does so much great work, but in the end, people take it elsewhere. So when the manuscript is really great and you spend so much time working on this manuscript, and then you hear that somebody has taken it to Duke, to Cartola, to, you know, to a big name. So, and it's not just Codesia. You find so many publishers on the continent who are facing the same challenge. So it's just, I think it's just important to underscore that the publishing process is not understood by so many people. When people write publishing a research proposal, they put money for so many things, and then there's $200 for publishing. Or they start the publishing process, the research process, and they interact with so many people, but they don't bring the publisher at the beginning of the process. So if the researcher is designing your project, it is important also to bring the publisher so the publisher can understand, you know, what the project is, how they can locate the project within their own publishing series, et cetera, et cetera. Donc, il y a beaucoup d'autres défis, et ce n'est pas seulement les défis qui sont liés à cette institution, mais c'est les défis que tout le monde sont confrontés, qui confrontent tout le monde. Okay. Oui, oui. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ces précisions. Je pense que je voudrais juste ajouter que without Codesia, there will be not Ibrahimania. So you have to know that. Nous allons continuer avec Mamadou parce que Mamadou aussi fait partie de l'équipe qu'on appelle l'équipe de marketing de cette recherche, et nous voudrions en fait que Mamadou nous parle un peu des obstacles liés à la dissémination de la recherche, mais aussi en fait des retombées que pourrait en fait susciter la vente des livres. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre un peu de ces retombées-là? Je pense qu'une institution comme le Codesia, dans le même temps, partage toutes ses publications au niveau de son site Internet pour permettre aux chercheurs de pouvoir consulter ces ouvrages-là. Mais aussi, à côté, il y a une part qui est consacrée à la vente. On voudrait un peu savoir quel est l'avenir de la publication, quel est l'avenir, en fait, du marché du livre en Afrique. Voilà, en fait, il faut dire que pour la connaissance, le savoir est quelque chose qui ne peut pas être périmé et qui ne peut pas ne pas se vendre. Par exemple, on voit qu'il y a beaucoup d'éditeurs, des aventuriers qui sont sur les réseaux sociaux parfois, qui envoient donc des demandes à des jeunes qui viennent de faire leur mémoire de master ou bien leur thèse en leur proposant de publier leur thèse ou leur mémoire de façon gratuite. Mais en lisant le contrat, on se rend compte qu'ils demandent dans le même mouvement de céder tous les droits d'auteur. C'est-à-dire que vous n'avez plus aucun droit sur la connaissance que vous avez créée parce que vous avez signé un contrat dans lequel vous cédez l'ensemble de vos droits. Je pense que ceci permet de dire que le savoir, c'est quelque chose qui est
c'est une mine d'or. Et les gens l'ont tellement compris qu'ils ne vont jamais se lasser, n'est-ce pas, de chercher le savoir et de le monnayer. Donc, ça, c'est important à souligner. Là, donc, le livre également, on peut avoir l'impression, parce qu'on avait dit il y a longtemps, on avait dit que le livre allait perdre de son éclat avec les réseaux sociaux. Pardon, avec, l'écriture numérique, ou le livre numérique plutôt, que le livre numérique allait tuer le livre en papier, et que peut-être les gens allaient lire de moins en moins. Avec la télévision, avec les films, on pensait qu'on allait lire de moins en moins. Mais dans la réalité, on se rend compte que ce n'est pas forcément ça. Et que le savoir constitue encore et continue d'être quelque chose, si je peux l'appeler ainsi, du business. Et les éditeurs l'ont tellement compris que ceux qui ont compris cela sont devenus des milliardaires, rien qu'en étant dans l'édition et en étant dans la publication. Si vous regardez dans Dakar, les maisons, il y a des maisons d'édition qui sont devenues maintenant des maisons d'édition de très grande envergure qui peuvent se payer un certain nombre de choses parce que simplement ils ont compris que c'était quelque chose de très rentable. Maintenant, le grand défi, c'est surtout comment faire pour s'adapter au monde dans lequel nous sommes. Parce qu'il faut peut-être changer les paradigmes, il faut peut-être changer la façon de faire, il faut peut-être changer, n'est-ce pas, la nature même du livre et l'adapter par rapport au public que nous avons. Je crois que c'est cette transition-là qui est difficile à faire. Vous voyez un pays comme le Sénégal qui investit près d'un milliard dans ce qu'il appelle l'aide à l'édition. Mais en réalité, il faut se poser des questions. Mais à qui est décidée cette aide-là? Qui en bénéficie? Qui n'en bénéficie pas? À qui c'est décidé? À qui, vers qui ça va? Et est-ce que cette aide à l'édition, cet argent-là, ne permet pas d'enrichir certains au détriment d'autres? Est-ce que ce ne sont pas les mêmes personnes, ce n'est pas le même groupe qui est en train de faire? Il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. Et ensuite, on peut même se poser, mais quelle est la visibilité qu'on a? Parce qu'il y a beaucoup d'argent, mais quelle est la visibilité qu'on a? Et cet argent-là, est-il destiné à l'édition scientifique ou bien destiné à l'édition donc des livres, de littérature, etc.? Ça, ce sont des questions qu'il faut se poser et qu'on doit se poser. Et tout cela, ça arrive parce qu'il n'y a pas de politique du livre. C'est ça le problème. Il n'y a pas de politique du livre claire. Actuellement, les gens, presque on a l'impression que c'est du pilotage à vue. Et je pense que dans beaucoup de pays francophones, en tout cas, je ne connais pas très bien les pays anglophones, mais dans beaucoup de pays francophones, c'est la même situation qui continue à perdurer. C'est-à-dire que ce sont les mêmes pratiques qui se répètent, mais il n'y a pas de politique. Donc, pour dire qu'on va faire le développement du livre, et le développement du livre, c'est tout un ensemble, c'est un système. Ce n'est pas seulement injecter de l'argent pour que ça bénéficie aux imprimeurs, mais c'est l'ensemble de la chaîne sur laquelle il faut investir. Non seulement les auteurs, mais également les maisons d'édition, mais également la formation, comme je l'ai dit, et surtout favoriser de plus en plus les rencontres, parce que les rencontres internationales, notamment les foires qui sont des moments de valorisation et de diffusion des ouvrages, sont des choses qu'il faut valoriser. Et l'autre obstacle également, c'est le coût du livre. Parce que le coût du livre, parfois, il peut être cher par rapport à la population. Je ne dis pas qu'il est cher de façon absolue, mais par rapport au pouvoir d'achat d'une population, si vous vendez un livre à un certain prix, les gens vont être plus intéressés à acheter un livre qui leur est utile immédiatement et maintenant, plutôt que d'acheter un livre juste pour acheter un livre parce qu'on a envie de lire. Donc, ça aussi, et on achète généralement, même les chercheurs, la plupart du temps, n'achètent de livres que dans la mesure où ça peut avoir un impact immédiat sur le travail de recherche. Mais on n'achète pas un livre simplement pour faire la documentation ou bien parce qu'on cherche à s'informer sur un pays ou sur une question. Donc, pour dire qu'il y a tout ce système-là qu'il faut repenser, qu'il faut revoir ensemble, et la révision de cela, ce n'est pas seulement une personne ou deux, ce ne sont pas seulement certaines franges et les autres qui doivent laisser, mais c'est l'ensemble de ceux qui interviennent dans la chaîne qui doivent se retrouver pour essayer de voir comment on peut trouver des solutions pour pouvoir faire avancer cela. Et dernier moyen important, c'est le marketing du livre. On dira qu'au Sénégal, il y a environ peut-être 500 à 1000 ouvrages qui sont publiés, mais au bout de 2 mois, on n'entend plus parler de ces ouvrages-là parce qu'il n'y a pas de marketing qui est derrière. Il n'y a absolument rien de politique commerciale également pour pouvoir faire en sorte que ça puisse se faire. Et la plupart du temps même, on voit des gens qui font leurs livres et qui sont obligés de les vendre eux-mêmes, qui tiennent leurs livres et qui vont de bureau en bureau pour vendre leur ouvrage, alors que ce n'est pas leur rôle. Et ensuite, il y a également un dernier point sur lequel j'aimerais aussi insister, c'est-à-dire que celui qui fait le moins, le libraire par exemple, le libraire parfois il te prend 30% à 40% du prix de l'ouvrage, alors que c'est celui qui
dépense le moins, qui prend le moins de risques. L'éditeur prend des risques en publiant un auteur qui n'est pas connu, mais l'auteur fait beaucoup d'efforts sur le plan intellectuel pour pouvoir générer son ouvrage, et celui qui s'occupe de la fin du processus, qui est l'éditeur, qui est le libraire, en général, c'est lui qui gagne le plus par rapport aux autres. Donc, il y a tout cela qu'il faut voir, et je pense que c'est sur le système qu'il faut agir, et non pas agir sur juste un point ou deux points, parce que dans ce cas-là, on est juste en train de transférer et de transposer la question, mais on n'est pas en train de trouver des solutions, et surtout des solutions durables. Et je pense qu'il faut agir sur ce point-là pour pouvoir être un peu plus efficace. Très bien. Donc, si je résume bien, il faudrait une approche systémique pour pouvoir véritablement faire avancer la problématique de la publication en Afrique, parce que les livres, c'est toute une chaîne qui doit être articulée, qui doit pouvoir travailler ensemble et permettre à ce que tout marche comme il faudrait. Mais là, il y a un aspect qui nous importe beaucoup dans le cadre de ce que nous faisons dans cette recherche, c'est l'édition dans les universités. Comment se porte l'édition dans les universités? Et où les presses universitaires ont tous les problèmes du monde, à défaut dans certaines universités africaines où nous avons essayé un peu de faire des recherches à ce niveau, il n'y a pas de presse universitaire. Est-ce qu'aujourd'hui, la recherche africaine peut s'accommoder avec une édition scientifique dans les universités douteuses, avec aussi des presses universitaires inexistantes? Bon, je pense qu'il y a deux niveaux. Il y a le fait que dans certains pays ou dans certaines universités, la presse universitaire n'existe pas, et que dans d'autres pays, la presse universitaire existe, mais les gens ne savent pas pourquoi ils sont là. Je crois qu'il y a ces deux niveaux-là qu'il faut peut-être distinguer. Parce que la vitrine, à mon avis, d'une université sont les publications scientifiques. On peut enseigner dans n'importe quelle université, on peut enseigner tout ce que l'on veut. Mais ce qui va permettre à l'université de pouvoir être vue, c'est le travail de ses chercheurs. Et le travail de ses chercheurs doit d'abord être valorisé par les presses universitaires de l'université. Et c'est pourquoi c'est extrêmement important. Quand on voit certaines universités, notamment les universités de la Grande-Bretagne, il y a certaines presses universitaires où publier là-bas est véritablement un challenge. Si vous parvenez à publier dans ces presses-là, on sait que vous êtes un chercheur qui est sérieux. Et je crois que dans certains pays, malheureusement, dans certains pays africains, malheureusement, on ne joue pas, on ne sait pas, on n'évalue pas le poids que peut avoir une structure comme les presses universitaires sur la carrière des gens d'une part, mais également sur la renommée de l'université. Et je pense que sur ce plan-là, il est nécessaire, parce qu'il y a des budgets qui sont alloués pour cela. Mais regardez, vous avez fait un sondage, regardez l'ensemble des programmes que vous avez suivis, l'ensemble des universités que vous avez suivies, combien les ouvrages sont publiés par les presses universitaires. C'est vraiment très infime. Et les gens vont préférer, pour régler cette question-là, ils vont préférer aller dans d'autres universités, dans d'autres maisons d'édition, des maisons d'édition parfois qui sont des maisons d'édition qui font du business, qui n'assurent pas la qualité scientifique parfois, disons même qui n'assurent pas du tout la qualité scientifique, parce que la qualité scientifique ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est si le livre est vendable, s'il peut être générer énormément de ressources, ou bien combien vous êtes prêt à mettre comme argent pour pouvoir vous faire publier. Peut-être que c'est ça qui les intéresse en priorité. Et par rapport à cela, je pense que les presses universitaires ont un rôle extrêmement important qu'ils doivent jouer. Donc, pour permettre de diffuser la connaissance produite par l'université et qui reste la propriété de l'université, et également permettre aux chercheurs de pouvoir sortir, de pouvoir donc être dans d'autres sphères, de pouvoir même avancer dans leur grade, parce qu'ils ont les chercheurs, les enseignants et chercheurs ont besoin d'être publiés pour avancer dans le grade. Et je crois que à ce propos-là, les presses universitaires doivent jouer un rôle qui est extrêmement important. Maintenant, le problème aussi, c'est un problème de casting. C'est-à-dire qu'on met généralement à la tête des presses universitaires des gens qui n'ont pas une bonne culture du livre. Parfois, c'est pas parce qu'on a un bon passé. Donc, en tant que en étant dans des comités éditoriaux, qu'on est forcément quelqu'un qui est un professionnel du livre. Et il faut peut-être qu'on fasse ce casting-là dans certains pays, qu'on travaille sur les professionnels qui vont être nommés à ces positions-là, afin que ces gens-là aient une vision, parce que cette vision-là, elle manque. Il faut qu'on ait cette vision qui nous permettra un jour de pouvoir faire des presses universitaires, des presses vraiment sérieuses. Parce que déjà, l'avantage que les presses peuvent avoir, c'est qu'elles n'ont pas de problème de ressources.
la plupart du temps, les éditeurs ont des problèmes de ressources pour pouvoir faire face à ces dépenses-là. C'est pourquoi ils sont obligés parfois de nous faire cotiser, de nous faire participer pour qu'on puisse publier. Mais lorsque la structure n'a pas ces problèmes de ressources, je pense que ça peut être un peu plus facile pour elle de pouvoir booster la connaissance, de pouvoir booster le livre. Et la... Donc, je pense que c'est très important. Très bien. Il y a des questions sur le chat posées particulièrement par Divine. Je ne sais pas si vous les avez vues. Oui. Vous les avez vues? Oui. Mm-hmm. OK. Donc, il demandait un peu si les défis étaient concernaient seulement les éditeurs francophones ou les intellectuels qui sont dans le monde francophone, par exemple. Certains défis que vous avez listés, est-ce que vous pensez que ce sont des défis qui sont spécifiques seulement aux éditeurs et aux intellectuels ou aux académiciens francophones, ou c'est partagé par toute la communauté africaine? Non, moi, je pense que la plupart des pays anglophones ou la plupart des pays francophones quand même sont concernés. Il y a beaucoup de pays anglophones qui sont concernés, mais je pense que le problème est moins crucial. Bon, c'est vrai que je parle de choses que je ne maîtrise pas. Hein. Je ne maîtrise pas trop le monde anglophone, mais je pense que le monde anglophone doit être moins confronté à ces difficultés-là que le monde francophone. Parce que nous sommes encore dans la tradition française avec toutes les lourdeurs qu'il peut y avoir et que peut-être que si dans le monde anglophone, il y a ces choses-là. Mais là, je pense que ce sont vos études même qui vont permettre de répondre à cette question-là, parce que c'est une question qui est extrêmement, extrêmement difficile. Mais je sais que quand même pour l'ensemble des pays francophones, en tout cas les pays francophones de l'Afrique subsaharienne, je crois que les pays du Maghreb peuvent ne pas avoir ces mêmes choses-là. Les collègues qui sont du Maghreb peuvent peut-être contribuer en donnant la bonne information. Mais je sais que pour les pays subsahariens francophones, donc, on est parfois confronté à ces difficultés que je viens de lister. Très souvent, on a des difficultés de politique du livre, on a des difficultés de professionnalisation de la profession, il y a des problèmes de qualification des gens qui sont dans la chaîne, il y a aussi des problèmes liés au fait que beaucoup d'éditeurs sont devenus éditeurs par accident. Ce ne sont pas des éditeurs en réalité, mais ce sont des éditeurs qui pensent qu'il y a de l'argent à gagner, ce sont des hommes d'affaires, mais ce ne sont pas des éditeurs et parfois ne prennent pas la peine d'avoir le personnel qu'il faut pour pouvoir faire cela. Et dans beaucoup d'universités également, donc il y a aussi, et je pense que c'est, je lis ça sur le chat, que beaucoup, il y a aussi le fait que il y a beaucoup d'Africains qui pensent que c'est plus valorisant pour eux de publier dans les pays européens que de publier dans les pays africains. Même lorsqu'ils ont la possibilité de publier en Afrique, ils préfèrent le faire en Europe. Donc avoir une maison d'édition douteuse en Europe leur semble être plus intéressant que d'avoir une maison d'édition sérieuse en Afrique. Ça aussi, ce sont des difficultés auxquelles on est confronté. Et ça peut être lié à la question de l'indexation. Et je pense que peut-être que le projet va permettre d'avoir une indexation africaine. Parce que parfois, on nous pose des questions en nous demandant si nos revues sont indexées. Mais elles sont indexées par rapport à quoi? Et je pense qu'il faut qu'il y ait un système et que ce système-là d'indexation puisse permettre de savoir qu'il y a des revues sérieuses en Afrique et que le processus sont respectés, parce que le CAMES aussi est très exigeant par rapport à ces choses-là, que les évaluations sont faites de façon très sérieuse et que la publication se fait de façon très sérieuse. Parce que tant qu'on n'a pas réglé ces questions-là, je pense qu'on aura encore des difficultés. Mais pour résumer, je dirais que l'ensemble des, en tout cas 90% des pays francophones sont confrontés aux mêmes difficultés que je viens de lister. Et j'imagine également qu'à part des pays comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, peut-être l'Égypte et certains pays du Maghreb, les autres pays anglophones doivent avoir également ces mêmes difficultés-là. Peut-être pas de la même façon, mais ça ne doit pas être extrêmement différent. Et il y a des collègues qui sont de ces pays-là, peut-être qu'ils peuvent contribuer et nous donner la bonne information. Très bien. Tu as d'autres questions sur le chat concernant un peu la lecture? Est-ce que les Africains lisent-ils réellement? Oui, non, mais il y a d'abord la question de Babacar, hein, parce que Babacar pose une question extrêmement importante. Et c'est une réalité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui publient, non pas pour créer de la connaissance, mais qui publient parce qu'ils veulent passer les grades au CAMES. Lorsque le CAMES approche, Divine l'a dit tout à l'heure, tout le monde se bat pour faire une publication, pour avoir un article. Donc, on ne publie plus pour générer du savoir, pour générer de la connaissance, mais on publie plutôt pour se faire pour passer les grades. Et ça, c'est une réalité, c'est-à-dire qu'on nie ou qu'on l'accepte, c'est la réalité dans laquelle on est. Et je pense que cette question-là, elle est très importante. Il y a également le fait qu'on a la marchandisation du savoir, c'est-à-dire que les gens ne publient pas sur des choses qui les intéressent, mais publient en fonction peut-être de la commande.
Et parfois même ça se déteint sur la qualité de la recherche. On fait une recherche et on sait que mon bailleur s'attend à avoir les réponses telles, on se débrouille pour avoir ces réponses-là. Et ça aussi, je pense que c'est des questions sur lesquelles il faut vraiment réfléchir pour essayer de voir comment on peut booster davantage. Et en plus, il faut reconnaître une chose importante dans nos pays. Je parlais tout à l'heure de disparité. Lorsque on est dans la production scientifique, les sciences sociales n'intéressent pas beaucoup les décideurs politiques. Ce sont plutôt les autres types de sciences qui les intéressent. Lorsque vous avez des projets de publication, des projets de recherche, des projets d'édition sur les sciences sociales, vous avez des difficultés à avoir un financement pour pouvoir le réaliser. Alors que lorsque c'est d'autres domaines, on peut avoir plus de chances d'avoir cela. Donc, il faut qu'on veille aussi sur cela, parce qu'il y en a beaucoup qui publient uniquement pour passer les grades, et après avoir passé les grades, ils oublient la publication jusqu'au prochain passage. Je pense que ça aussi, c'est une réalité qui a été bien listée par Babacar. L'autre question, c'est... est-ce que nous avons besoin du CAMES? Moi, je pense qu'on a besoin du CAMES parce que le CAMES, quand même, continue au moins à avoir une fonction de régulation. Maintenant, on ne peut plus se permettre de publier n'importe quoi parce que tout le processus qui est demandé par le CAMES, notamment avec les nouvelles restrictions qu'on a, déjà l'augmentation du volume de publication qu'il faut avoir pour pouvoir passer d'un grade à un autre, même si personnellement, je suis parfois contre, parce que j'ai l'impression que chaque fois que certaines personnes passent un grade, ils créent une nouvelle difficulté pour empêcher les autres de pouvoir passer ces grades-là. Ça, c'est vraiment une réflexion personnelle que je fais. Mais quand même, c'est important parce que le processus est respecté. Il faut un comité éditorial, il faut un comité de lecture, il faut un comité scientifique qui vérifie que la scientificité de l'ouvrage ou la scientificité de l'article, ce qui fait que les chercheurs sont obligés de se mettre aux normes. Donc, je pense que pour cela, la publication est vraiment, vraiment importante. Et par rapport à cela, je pense qu'il faut encore laisser le CAMES, et le CAMES constitue donc une sorte de, j'allais dire, de tamis. Lorsque vous n'avez pas le niveau, vous ne pouvez pas avancer, et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut remarquer. Très bien. Donc, on peut considérer que le CAMES est un moyen de mal. Non, moi, je pense que c'est même un bien. Maintenant, c'est un bien qu'on peut améliorer. Ce sont des choses qu'on peut toujours améliorer. Il y a tout le temps des choses. Sauf le fait qu'il faut constamment que chaque fois que les gens dépassent un grade, qu'ils créent des difficultés, c'est en cela que je suis un peu gêné. Je me rappelle que moi, quand je passais maître assistant, on nous demandait 2 articles, 3 articles. Maintenant, on en demande 5. Et peut-être dans quelques années, on va en demander 10 à des jeunes chercheurs qui viennent de commencer la recherche. Et ça devient très difficile. Il ne s'agit pas de faire un nivellement par le bas, mais quand même, je pense qu'il est nécessaire quand même qu'on laisse les gens, parce que le chercheur, il se parfait au fur et à mesure qu'il avance. Au fur et à mesure qu'il est dans la profession, au fur et à mesure qu'il fait des enseignements, il commence à trouver de nouvelles pistes. Et dans ce cas-là, il commence à être de plus en plus productif. Mais si dans un premier temps, vous le mettez dans cette posture-là, parce que parfois aussi, je pense que c'est eux qui nous mettent dans cette posture, du fait que vous ne publiez que pour passer. Parce que vous savez qu'il faut publier pour passer, mais vous ne cherchez même plus à publier parce que vous voulez générer de la connaissance. Et je pense qu'à ce niveau-là, quand même, il y a des choses à parfaire, il y a des choses à revoir. Et peut-être que le CAMES pourra nous aider à revoir ces choses-là et à y réfléchir tous ensemble. Très bien. Donc, la dernière question de Divan, c'est est-ce que les académiciens sont en train de s'auto-publier à cause des difficultés de trouver d'excellents éditeurs, mais aussi d'aller vers des lieux où nous n'aurons plus besoin en fait d'éditeurs, où nous n'aurons aussi plus besoin de peer review, c'est-à-dire des revues faites par des pairs, qui aussi pour moi est problématique parce que j'ai vu la semaine dernière, on m'a présenté un article sur la Chine, dont sur lequel je travaille beaucoup. Et à mon avis, c'est un article publié par 3 enseignants de l'université. Si on me demandait mon avis, cet article ne sera pas publié. Mais je sais que cet article va passer parce que c'est le nom qui va être évalué. Ce sont ces noms-là qui vont être évalués et non l'article en tant que tel. Non, mais ça rentre dans la chaîne dont on parlait tout à l'heure. C'est que les gens publient pour passer, qu'importe la qualité. L'essentiel, c'est de faire une publication et de passer. Je vous raconte une anecdote. Lorsque j'étais éditeur, il m'est arrivé une fois quelqu'un qui a envoyé son manuscrit et son manuscrit n'a pas été accepté. Il y a eu beaucoup de choses. Les gens ont fait des remarques disant que vraiment, il faut changer cela. Et lorsque je lui ai envoyé la réponse en lui disant qu'il faut que vous vérifiez,
il m'a répondu, il m'a appelé au téléphone directement et il m'a dit, est-ce que tu sais moi qui je suis? Est-ce que tu me connais? Parce que comment quelqu'un, et même qui a publié ça, qui a osé dire que mon article n'était pas bon? Donc, pour dire que lui-même, il était persuadé que personne n'oserait parce qu'il avait une posture et une position donc, dans son université qui faisait que personne n'osait le contredire. Et le fait que quelqu'un le contredise, c'était un scandale pour lui. Il m'a appelé et il m'a crié dessus, quoi. Il a parlé. Bon. Mais vu là, je n'ai pas répondu. Et quand il a fini, il lui a dit que je suis désolé, c'est que celui qui lisait votre article ne savait pas que c'était vous. Parce que s'il savait que c'était vous, il n'aurait jamais mis cette mention-là. Malheureusement, il n'a pas compris que j'ironisais. Mais pour dire simplement que parfois, effectivement, on est obligé, ou les chercheurs se croient obligés de s'autopublier parce qu'il faut aller au CAMES, de s'autopublier parce qu'il faut forcément avoir des publications, ou bien ils ont un ouvrage qui ne passe pas. Ils ont un ouvrage qui ne passe pas correctement, où les standards ne sont pas respectés. Et ils savent qu'en passant par une maison d'édition sérieuse qui passe par ces couloirs-là, on ne pourra jamais se faire publier. Donc la voie la plus facile, peut-être, c'est d'essayer de se publier soi-même. Et malheureusement, ça donne ce que cela donne. On a des textes qui ne sont pas d'excellente qualité. On a des gens qui arrivent à un certain niveau dans l'académie sans avoir véritablement le niveau en matière de recherche, sans avoir cela, mais malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et je pense que ce qu'il faut, c'est peut-être faire en sorte que les structures comme le CAMES ou dans le monde anglophone, je ne sais pas quelle structure s'en occupe, que ces structures-là travaillent sur ces questions-là, qu'il y ait un truc de quelque chose de, sur l'indexation. Divine avait commencé un travail très intéressant avec Williams Okodesria sur l'indexation des revues africaines pour que les revues soient cotées donc, selon le degré de sérieux que ces revues avaient. Je ne sais pas maintenant où est-ce que ce projet est, ça fait longtemps que je n'ai pas suivi, mais je pense que c'est important et qu'on puisse avoir nos propres critères. Il faut décoloniser, comme il le dit, donc la publication, qu'on ne soit pas forcément obligé de s'arrimer donc sur les standards européens ou sur des standards américains, mais qu'on ait une façon, bon, on ne s'en éloigne pas, mais quand même qu'on ait la spécificité de notre continent. Et je pense que ça aussi sont des choses importantes sur lesquelles il faut vraiment, vraiment réfléchir ensemble. Très bien. Bon, les collègues aussi, si vous voudriez poser des questions à Mamadou, vous pouvez bien lever la main et interpeller notre invité. Ou contribuer, s'ils veulent contribuer également, parce que je pense que ce ne sait pas si les gens veulent contribuer à ce qu'on dit, je pense que la discussion, elle est très intéressante. Donc, il y a beaucoup de chantiers qui sont ouverts, il y a beaucoup de... Parce que c'était ça aussi, je pense, l'objectif de la discussion, c'est de créer plus de questions que de réponses. Et ne pas forcément donner des réponses, c'était ça l'intention. Donc, les contributions également peuvent permettre d'avoir une bonne visibilité, une bonne lisibilité donc, de cela. Mais comment faire maintenant pour renforcer la publication? Je pense qu'il faut d'abord passer par ces politiques nationales-là dont je parle. Il faut une politique nationale sur donc, le livre de façon globale et le livre scientifique de façon particulière. Il faut une politique nationale, il faut une politique de formation des cadres, donc pour avoir des gens qui pourraient être, je suis un peu dans le système politique, là, j'ai dit formation des cadres, mais en tout cas, avoir du personnel qui soit capable de faire cette publication-là. Il faut que les gens comprennent également que la publication, c'est du business. Il y a des structures qui vivent de subventions, qui peuvent se permettre de publier. Mais quand on est un homme d'affaires et qu'on veut investir dans la publication, on peut se faire énormément d'argent, il faut que les gens le comprennent. Il faut également que les États jouent leur rôle. Parce qu'il s'agit de créer de la connaissance, il s'agit de créer du savoir, mais surtout, moi, je pense que c'est important, il s'agit de créer des emplois. Parce que le nombre d'emplois qu'on peut avoir dans la chaîne du livre, c'est infini. C'est infini. On peut avoir énormément d'emplois. Tous les types d'emplois que l'on peut avoir, toutes les qualifications peuvent être mises en relation avec l'édition et la publication. Et je pense que si on arrivait à faire cela, on peut peut-être arriver à changer les choses. Et surtout, une chose importante, à mon avis, c'est que ne pas faire la politique du livre sans les gens qui interviennent dans le livre. Parce que très souvent, dans beaucoup de pays, les gens sont dans les politiques culturelles, oublient le livre, c'est vrai. Mais parfois, quand ils parlent du livre, ils en parlent en l'absence de ceux qui sont des professionnels et qui travaillent sur le livre. Et je pense que si on fait un travail d'ensemble, donc ça peut nous permettre de booster davantage les choses. Surtout dans le monde francophone, parce que le monde francophone en a vraiment besoin. Très bien. Très bien. Merci, Mamadou. Babacar, vous pouvez parler, s'il vous plaît.
Bonjour, vous m'entendez? Très bien. Oui, on t'entend bien, Babacar. Bonjour, merci beaucoup, Ibrahim, pour ce webinaire. Merci, cher ami, cher collègue Mamadou. C'est un plaisir de t'entendre parler des choses dont tu connais. Alors, moi, j'ai une petite question ou bien un commentaire. Ça m'arrive de lire beaucoup la production de nos collègues au Sénégal et je vois qu'il y a la récurrence des publications dans les mélanges. Je ne comprends pas trop l'historique ou bien peut-être que c'est quelque chose qui se fait. Bon, je veux dire, c'est quoi l'objectif de ces mélanges? Parce que je vois que c'est récurrent, et que j'ai comme l'impression que les articles qui sont dans les mélanges ne se parlent pas, ou bien il n'y a pas une thématique qui connecte les articles entre elles. Je vois des articles qui parlent de rien dans un même ouvrage. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'historique et est-ce que les gens, parce que j'ai comme l'impression que les gens commencent à ne plus respecter peut-être l'idéal qui était derrière ces mélanges-là. En fait, les mélanges, en général, c'est un ouvrage qui est publié en l'honneur d'un chercheur qui va à la retraite. Donc, un chercheur ou bien un enseignant-chercheur qui a formé énormément d'étudiants qui va à la retraite, souvent, on fait des mélanges pour lui rendre hommage. On fait, et j'en profite pour rappeler, bon, je le dirai tout à l'heure, parce que je ne sais pas si Divine veut qu'on en parle, j'allais déflorer quelque chose, bon, c'est pas grave. Là. Donc, les mélanges, on les fait, par exemple, pour Aram Fall. On est en train de faire des mélanges pour Aram Fall. On a fait des mélanges pour Ibader Kiam. Lorsqu'ils vont à la retraite, c'est une façon de leur rendre hommage. Et très souvent, c'est que toutes les personnes qui ont envie d'écrire quelque chose et de l'offrir, donc en hommage au chercheur qui est parti, ou qui va à la retraite, ou qui est décédé, ça, parfois ça arrive que ça soit le cas. Donc ces mélanges-là sont destinés à cela. C'est pourquoi parfois on a des textes qui ne se répondent pas. On n'a pas cette logique. Maintenant, ça aussi c'est le travail de l'éditeur, c'est-à-dire celui qui reçoit les textes peut faire en sorte qu'il y ait une trame qui puisse, et ça c'est le travail de l'éditeur, parce que l'éditeur ce n'est pas seulement rassembler des textes et ensuite les aligner et les publier, mais c'est également voir s'il y a une logique qu'il est possible de mettre. Donc, pour que les articles se répondent les uns par rapport aux autres. Et c'est en cela que les mélanges sont importants. Maintenant, comme vous verrez, à Dakar, il y en aura de plus en plus. Parce que beaucoup d'enseignants seniors actuellement sont en train d'aller à la retraite. Et la seule voie qu'on leur a trouvée, en tout cas chez leurs disciples, c'est de faire des mélanges et de leur offrir ces mélanges-là. C'est pourquoi on en voit de plus en plus. C'est ça. Voilà. Donc, il est 15h02. Donc, si les collègues ne voudraient pas ajouter un ou deux points, je pense qu'on va laisser le soin à notre directeur, Biva Info, nous remercier notre invité, à savoir Mamadou Dramé, pour la qualité de sa présentation, les idées fortes qu'il a eu à développer pour nous permettre d'avancer dans cette recherche que nous sommes en train de faire pour booster un peu la question de l'édition, mais au-delà de l'édition, il y a la dissémination. Il y a des problématiques qui sont soulevées sur l'édition numérique, sur le marketing, c'est aussi sur l'avenir du livre. Donc, grosso modo, en fait, le livre, c'est tout un système qu'il faut devoir intégrer, sur lequel il faudrait travailler pour permettre à ce qu'un plus grand nombre en bénéficie pour que ça puisse aussi être disponible pour les populations. Mais il faudrait aussi que les décideurs politiques comprennent cela. Je pense que notre combat, c'est aussi cela, faire de sorte que les décideurs comprennent ce qu'est la recherche, ce qu'est la production du savoir et quelle est la place du savoir dans le monde où nous sommes. Donc, je m'en vais laisser le soin au directeur Divine, remercier encore au nom de l'Institut des Humanités, du laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoir et diaspora qui est à l'université. Gaston Berger de Saint-Louis, notre invité du jour. Mais Ibrahima, c'est déjà fait. Ibrahima a déjà remercié tout le monde, donc il faut... ajouter que merci beaucoup Mamadou, merci d'avoir pris le temps. Je sais que toi tu es très occupé et nous sommes très 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 reconnaissants. Rachid et Penda ne sont pas là, mais ils
ils sont très reconnaissants et nous allons continuer à travailler avec toi. Mamadou, c'est un ami, c'est un frère. On a mené les combats de publication ensemble et lui, il a fait beaucoup de travail avec USAID sur des questions d'écriture et aussi des questions littéraires au Sénégal, mais aussi en Afrique francophone. On a fait beaucoup de travail avec Yves, Yves, Eric et Louga, qui est manager des disséminations et marketing au Codestria, avec Chifao, avec beaucoup d'autres dans l'institution. Et même si c'est un travail qui semble un peu insignifiant. Ils ont beaucoup fait pour appuyer cette question de publication en Afrique. Donc, merci beaucoup, Mamadou. Merci aussi à Ibrahima et Itai, à Yusra et Job qui viennent de publier le troisième épisode du série de podcast à Publishing Africa que je recommande à tout le monde et bonne soirée à vous tous. Nous allons continuer le combat avec tout le monde, tous les autres. Tu vois que Yves est là. Merci. Merci beaucoup. Au revoir, cher ami. Allez, merci. Merci. Mm-hmm.